se retrouve pour débuter une nouvelle semaine de vlog, une semaine qui va débuter avec le traditionnel update lecture. Dans le dernier vlog, je vous parlais de ma lecture en cours que je pensais avoir terminée. Manoir, Magouille et Coq au vin d'Anne Granger, ce n'est pas encore le cas, il me reste 80 pages, j'espère pouvoir le terminer aujourd'hui, mais à chaque fois que je dis ça finalement, je me rends compte que je me suis avancée et que je ne le termine pas. Donc voilà, je vous en reparlerai quand je l'aurai terminé, de toute façon je vous en ai parlé dans le vlog précédent, je ne referai pas un énorme update à ce sujet et puis voilà. Et sinon, dans le dernier vlog, je vous disais que j'avais terminé ma lecture audio en cours, que donc j'étais à la recherche d'une nouvelle lecture audio. Sans surprise, après beaucoup de tergiversations, j'ai passé littéralement 10 minutes face à ma bibliothèque à me dire qu'est-ce que j'aimerais écouter. J'ai choisi un Lisa Jewell, une valeur sûre, donc on se reverra. Et dans cette histoire, on va suivre. Alors, je vous lis la quatrième de couve parce que j'ai vraiment pas écouté beaucoup. J'ai écouté l'équivalent de 57 pages, ce qui est relativement peu finalement pour vous parler de cette histoire. Donc, je préfère vous lire la quatrième. Qui est cet homme assis sur la plage en pleine tempête, sur le lieu d'un crime commis 20 ans plus tôt? Il n'a pas de nom, pas de manteau et a perdu la mémoire. Alice prend l'inconnu sous son aile et décide de l'héberger sans savoir qu'il va bouleverser sa vie à jamais. Au même moment, dans la banlieue de Londres, Lily attend en vain le retour de l'homme qu'elle vient d'épouser et dont la police tarde à signaler la disparition. Parviendra-t-elle à retrouver celui pour qui elle a tout abandonné? Et pour l'instant, j'avoue que c'est très 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 prenant. On suit donc Alice. Alice qui a une vie assez, assez particulière, qui est plutôt haute en couleur en termes de personnes, et qui va décider de venir en aide à cet homme qu'elle trouve sur la plage. Là où finalement, pour beaucoup, on se dirait, bon bah, il faut qu'il rentre chez lui, il faut qu'il rentre s'abriter. Elle va l'inviter sous son toit alors qu'elle ne le connaît pas. Et forcément, ça pose pas mal de questions. Et donc, on suit justement ce point de vue-là. Et parallèlement, on suit également Lily. Oui, effectivement, je n'étais pas sûre de son prénom. Qui, elle, justement, va signaler la disparition de son mari. Et elle est persuadée qu'il lui est arrivé quelque chose parce que leur quotidien est tellement bien rodé qu'il finit le travail à 17h44. À 17h59, il est arrivé à la maison. Et donc, forcément, là, il n'est pas rentré depuis... depuis 2 jours et elle sait que quelque chose ne va pas. Donc voilà, j'ai hâte de savoir un petit peu tout ce qui va se passer. Mais pour l'instant, déjà, après 50 pages, on a une tension qui monte. Donc j'ai trop trop hâte. Et franchement, pour l'instant, je n'ai pas été déçue avec la plume de Lisa Jewell. Donc voilà, j'avais vraiment envie d'un thriller. J'avais envie d'une lecture audio qui serait pas très longue. J'hésitais entre Les cendres sous les coquelicots de Karine Pitocchi, qui est donc le tome 2, et celui-ci. Forcément, quand je vous dis une lecture pas très longue... Bah, mon choix s'est porté sur celui-ci puisque Les cendres sous les coquelicots est relativement long, mais je pense que ce sera la prochaine lecture, audio ou pas d'ailleurs, que je prendrai puisque j'ai très 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 envie de le lire. Le tome 3 sort très bientôt et voilà, de mon côté je n'ai lu que Les rêves de nos mères, donc j'ai hâte de me replonger dans cette histoire. À la fois j'hésite aussi un petit peu parce que ce mois-ci je dois lire le tome 2 des filles de la Villa aux Étoffes, enfin le tome 2 de la Villa aux Étoffes qui s'appelle Les filles de la Villa aux Étoffes, et voilà, et j'ai pas envie que les deux se ressemblent entre guillemets, même si l'histoire est relativement différente, mais voilà, à voir en termes d'ambiance où j'en serai. Et surtout comment j'avance dans ces lectures-là. Je ne sais pas non plus quelle lecture je prendrai après ce Cozy Mystery-là. Ça va être un peu le mystère. J'ai bien envie d'une lecture courte aussi. En ce moment, j'ai envie d'avancer. J'ai envie de réduire aussi un petit peu ma palle. Donc voilà, de toute façon, je vous en reparlerai. Pas de réception aujourd'hui. Demain, mercredi et jeudi, je serai en présentiel au boulot. Donc avec potentiellement le risque de ne pas vous prendre en rentrant. Je ne sais pas. Ça dépendra si j'ai des choses à vous dire ou pas. Toujours est-il qu'aujourd'hui, ce n'est pas le cas. Donc voilà, j'espère que vous débutez bien la semaine. Que vous la finissez bien même puisque ces vlogs sortent le dimanche. Et que vous allez démarrer une belle semaine. Et je vous dis à plus tard. Mardi soir, je suis rentrée exceptionnellement plutôt tôt du boulot. Il est donc 18h22 et je suis à la maison. Et je vous prends pour un très rapide update lecture et notamment un update lecture audio puisque j'ai avancé un petit peu dans ma lecture audio de On se reverra de Lisa Jewell.
J'ai écouté l'équivalent de 143 pages sur les 370 qu'il compte. Et comment vous dire que je suis beaucoup trop accro à cette histoire? Au début, j'avais du mal à voir où l'autrice allait me mener. Puisqu'en fait, on alterne entre trois points de vue et entre deux époques différentes. Parallèlement, on va suivre donc Alice qui a recueilli l'homme qu'elle a trouvé sur la plage. On va suivre également donc Lily, la femme qui est à la recherche de son mari qui n'est pas rentré. Et on a une autre histoire qui se passe en 1993 où on comprend qu'on suit des adolescents et qu'il s'est passé quelque chose. Et là, j'en suis arrivée au stade où ça y est, en fait, le suspense est vraiment là. On sait à peu près ce qui s'est passé, mais on n'a pas les causes, on n'a pas les conséquences et on n'a pas, bien sûr, assemblé les morceaux du puzzle. Donc, vraiment, je suis trop prise dans ma lecture. Je n'ai qu'une hâte, c'est de la continuer. Donc, j'ai déjà hâte de repartir au boulot demain pour pouvoir continuer ma lecture audio parce que pour l'instant, c'est beaucoup trop prenant. On a vraiment, vraiment tous les éléments que j'adore dans un thriller. Et je vous en reparlerai, mais je pense clairement que je vais le dévorer et que je l'aurai fini en fin de semaine parce que il s'écoute tout seul. Le seul truc qui me dérange un petit peu, c'est que la lectrice donc, qui lit sur Audible, en fait, il y a pas mal de personnages et donc elle essaye de prendre des voix assez différentes pour chaque personnage. Alors, d'habitude, j'aime ça, mais là, en l'occurrence, Lily, on comprend qu'elle est d'origine ukrainienne et il y a une sorte d'accent qui est imité qui me dérange un peu. Alors, il n'est pas très prononcé, mais j'avoue que ça me dérange un peu. Pareil, on a une petite fille qui parle et quand la voix de la petite fille est faite, c'est assez bizarre. Donc voilà, autant sur certains livres, ça me paraît tout à fait naturel, autant je vous avoue que sur celui-ci, un peu moins, mais ça ne gâche en rien mon plaisir de lecture audio et mon plaisir de lecture parce que franchement, cette histoire pour l'instant vraiment m'a happée et j'ai hâte de vous en reparler quand je l'aurai fini parce que j'ai trop hâte de connaître le dénouement. Voilà, ça c'était l'update lecture audio et sinon, dimanche, je vais vous en parler très rapidement. Mais dimanche, j'ai lu, donc dimanche soir, le tome 2 des Carnets de l'Apothicaire, qui est donc un manga. Je vous parle jamais de manga ici. C'est la seule saga de manga pour laquelle j'ai craqué. J'avais lu donc le premier tome le mois dernier, j'avais beaucoup aimé. Et j'ai enchaîné avec celui-ci, donc en janvier, que aussi j'ai beaucoup aimé. Je trouve que on a une très chouette atmosphère. Alors je vous rassure, je suis pas du tout. Enfin je vous rassure, je sais même pas si ça vous rassure. Je suis pas du tout au point sur la lecture de manga. À chaque fois que je tourne une page, il faut que mon cerveau se dise, ok, donc là tu commences à droite, tu fais droite-gauche. Tu descends droite, gauche, c'est pas encore très naturel, mais franchement j'adore déjà le format pour commencer et j'aime beaucoup cette histoire. J'aime beaucoup le personnage de Mao Mao qu'on suit encore sur ce tome-là. On voit qu'elle évolue au sein de la cour dans laquelle elle vit finalement. Donc j'avais perdu le mot, mais Mao Mao, en fait, pour les personnes qui ne connaissent pas cette saga, je vous en avais déjà parlé, je crois. Donc Mao Mao, c'est une petite fille qui vit donc dans la cité impériale et qui va se retrouver un jour enlevée et mise au service de l'empereur dans l'un de ses pavillons en tant que, à la base, que servante. Sauf que très vite, on va se rendre compte, dès le premier tome, que Mao Mao a des facultés assez particulières puisqu'elle était apothicaire avant de d'arriver ici et elle travaillait dans le quartier des plaisirs et donc forcément elle a acquis pas mal de savoir-faire et de connaissances qui pourront être très utiles aux personnes qu'elle sert à la cité impériale et forcément donc elle va avoir plusieurs rôles et elle va on va dire monter en compétences et monter en importance aussi au fur et à mesure des tomes. Donc dans ce tome 2 déjà on la sent un petit peu plus sûre d'elle dans ses comportements et j'ai vraiment beaucoup aimé. Je trouve du coup que ça change, que c'est léger aussi comme format. En 1 heure, 1 heure, 1 heure 10, j'avais fini cette lecture. Donc voilà, quand on a envie d'avancer dans quelque chose, et notamment le dimanche, j'avais pas envie de me remettre dans ma lecture en cours, j'avais pas envie de me concentrer et franchement, c'était parfait. Voilà, tout ce que j'avais à vous dire, donc je vous reprendrai plus tard dans la semaine. Hello, on est vendredi et je vous prends pour un unboxing, pour un update lecture aussi, enfin pour pas mal de choses parce que c'est vrai que depuis mardi, je crois, je ne vous ai pas pris.
Donc, concernant l'update lecture, pour commencer, j'ai terminé Manoir, Magouille et Coq au vin et j'ai vraiment beaucoup aimé cette histoire. J'ai renoué avec les Cozy Mysteries d'Anne Granger et je pense que je ne mettrai pas aussi longtemps à lire le tome 3 parce que j'ai passé vraiment un agréable moment. J'ai trouvé que on avait tous les codes du Cozy Mystery. On a la campagne anglaise, on a un mystère, on a des habitants qui se connaissent tous parce qu'on est dans un petit village et des inspecteurs qui sont assez attachants, enfin en tout cas Jess. Donc voilà, j'ai vraiment passé un super moment et je vous le recommande si bien sûr ça vous intéresse. C'est donc un tome 2 et je vous conseille de commencer par le tome 1, bien qu'il n'y ait vraiment pas de lien entre les deux. C'est vraiment deux histoires indépendantes. Qui plus est, on n'a pas, ou en tout cas, j'ai pas eu souvenir d'avoir un fil rouge en ce qui concerne les enquêteurs, les personnages principaux. Donc voilà pour cette lecture. Pas vraiment un objet de lecture puisque je n'ai pas encore terminé On se reverra de Lisa Jewell, mais je pense que je vais le terminer assez rapidement. Comme vous pouvez le voir, il ne me reste pas grand-chose à lire, enfin en tout cas à écouter. J'aime trop cette lecture, c'est hyper addictif. Donc c'est pareil, je vous en reparlerai quand je le terminerai. Mais pour l'instant, c'est vraiment une super découverte, Lisa Jewell. C'est le troisième roman que je lis. Je ne suis pas du tout déçue. C'est tout à fait à la hauteur de mes attentes. Et je trouve que chaque histoire est assez différente, bien que ça reste un thriller domestique où il est question de secrets de famille, de secrets de couple, etc., etc., de mystères dans le passé, de double ou triple temporalité. C'est entre guillemets le même fonctionnement, le même procédé narratif, si je puis dire. Par contre, l'histoire est fondamentalement différente des deux autres et j'adore. Donc voilà. Et enfin, dernier update de lecture. Donc j'ai commencé une nouvelle lecture. J'ai commencé La dernière tempête de Ragnar Jonasson. C'est donc le troisième tome de la saga de la Dame de Reykjavik. On a donc la Dame de Reykjavik le premier, on a L'île au secret le second et celui-ci La dernière tempête. J'ai pas lu énormément puisque j'ai lu trois chapitres, ce qui me mène à la page 45, je crois, quelque chose comme ça. Pour l'instant, je découvre. Je trouve en tout cas qu'il y a beaucoup de suspense, beaucoup plus de suspense et de rythme que dans les deux précédents. Les deux que j'avais beaucoup aimés, mais c'est vrai qu'ils étaient assez lents, ce qui finalement est un peu pour moi la caractéristique des polars nordiques, en tout cas islandais, de Ragnar Jonasson. Et là, dans celui-ci, vraiment, alors c'est pas non plus haletant, mais je sais que j'ai terminé un chapitre en me disant « Oh, mais qu'est-ce qui s'est passé, quoi ?» Enfin, il y a vraiment un mystère derrière. Donc voilà, je vous en reparlerai là aussi quand je le terminerai. Je pense pas vraiment le terminer demain, mais toujours est-il que c'est ma nouvelle lecture. C'est totalement d'actualité, c'est totalement de saison, puisque il est question d'une tempête de neige en Islande qui bloque les habitants que l'on suit chez eux. Je ne vous ai pas d'ailleurs parlé de la quatrième de couve. Donc, la terrible tempête de neige qui s'abat sur l'Islande aurait dû décourager les plus téméraires de s'aventurer à l'extérieur. Ils l'ont pourtant fait. Ce couple n'aurait jamais dû laisser entrer chez eux un inconnu. Il l'a pourtant fait. Un invité indésirable, un mensonge innommable. Tous ne survivront pas à cette nuit. Et l'inspectrice Hulda, chargée de l'enquête, continuera d'être hantée par ses fantômes longtemps encore. Et donc, là aussi, voilà, on retrouve l'inspectrice Hulda qu'on a rencontrée dans le premier tome. Et il faut savoir que, si vous ne le savez pas déjà, en fait, sur ces trois tomes, on commence avec donc la Dame de Reykjavik qui met en scène Hulda à la fin de sa carrière. On a L'île au secret qui met en scène Hulda au milieu de sa carrière. Et celui-ci, on comprend qu'il s'agit là du début de sa carrière, de ses débuts dans la police islandaise. Et voilà. On n'est donc pas du tout sur la même histoire personnelle. On la rencontre dans le tome 1 avec sa vie à l'instant T. Et ici, forcément, il s'est passé pas mal de choses avant et on en est à un stade, comment dire, enfin, qui précède en fait les événements du tome 2 et du tome 3. Je ne sais pas si c'est très clair, en tout cas, voilà. Donc je vous en reparlerai. Et du coup, j'ai reçu pas mal de colis aujourd'hui et hier. Donc, ce sont des colis que j'attends des éditions Charleston et vous ne pouvez pas savoir à quel point je suis heureuse de ces réceptions. Donc, le premier, c'est La sorcière de Limbricht, je ne sais pas très bien comment on prononce, de Suzanne Smith. Il s'agit de la nouvelle collection des éditions Charleston, donc Les Ailleurs. Et j'avais reçu ce roman en épreuve non corrigée. Alors, je ne l'ai pas encore lu, donc ça va être l'occasion avec celui-ci. J'aime beaucoup cette couve. Alors, je ne suis pas très fan du contour comme ça, mais j'aime beaucoup la couve.
Donc, je vous lis la quatrième de couve là aussi. Aujourd'hui, le 10 juillet 1674, par ordre du bailli et des échevins de Limbricht, vous êtes arrêté pour suspicion de sorcellerie ou magie noire. Enfermé sans plus d'explications, Engen Luichten ne peut compter que sur elle-même. Elle n'a plus de famille et sait que personne ne se lamente sur son sort. Parce qu'elle préfère se rendre au bois qu'à l'église, parce qu'elle connaît le pouvoir des plantes qui soignent, parce qu'elle est un peu trop libre, elle a toujours fait jaser dans son village reculé de la campagne néerlandaise. Dans l'attente de son procès, la voilà réduite à compter les jours dans l'étroit et glacial cachot du baron Van Breil, qui est prêt à tout pour obtenir des aveux spectaculaires. Mais malgré les fenêtres étriquées de sa cellule, Engen se souvient des premières lueurs de l'aube qui embrasent l'horizon et de la lande qu'elle parcourait en compagnie des siens. Et si elle respecte la puissance de la nature, elle ne se soumettra pas à l'autorité du châtelain et compte bien faire entendre sa voix, même si cela doit être la dernière fois. Et c'est donc inspiré de faits réels. Voilà. Et donc c'est une réécriture féministe de la chasse aux sorcières. Mais ça, je pense que vous vous en doutez bien. Donc pareil, je vous en parlerai quand je le lirai. Et avec ceci, j'ai reçu donc deux autres romans de chez Charleston. Le premier, c'est un roman qui me tente vraiment beaucoup. Alors déjà, cette couverture, je la trouve juste sublime. C'est donc un roman dans le cadre de la rentrée littéraire de ce début d'année 2023. Et vraiment, la couve, elle est incroyable. Franchement, il est magnifique. Dans la chaleur étouffante de l'été 1995, après un énième débordement de colère de son père, Joan North trouve refuge avec sa mère et sa jeune sœur dans la majestueuse maison qui a vu les femmes de sa famille grandir. Tapissée de lierre et de chèvrefeuilles où nichent colibris, abeilles et papillons, ce verdoyant havre de paix semble raconter sa propre histoire. En poussant la gigantesque porte de bois, Joan sait qu'elle va découvrir d'innombrables fantômes. Celui de son grand-père, lynché après être devenu le premier inspecteur noir de la ville. Celui de sa grand-mère qui, guidée par une rage incandescente, transforma son salon en lieu de rassemblement du mouvement révolutionnaire noir de Memphis. Et sa propre terreur qui la submerge en même temps que ses souvenirs lorsqu'elle passe le seuil de la véranda. Confrontée aux tragédies des générations qui l'ont précédée dans cette demeure, Joanne devine intimement du haut de ses 10 ans que la violence n'est jamais loin. Le portrait bouleversant de 3 générations de femmes noires qui célèbre la complexité de ce qui se transmet au sein d'une famille, d'une communauté et d'une nation tout entière. Et franchement, il me fait mais terriblement envie. Je ne sais pas s'il y a des avis, mais je crois que non, puisque donc c'est un roman de la rentrée littéraire, c'est pour cette raison. Mais j'ai trop hâte de lire. Vraiment, vraiment, il me tente beaucoup et j'ai vu passer que de bons avis dessus. Et enfin, on a le troisième roman qui n'est autre que Les Heures Incertaines, le dernier roman de Karine Pitocki. C'est donc la suite de la trilogie Les rêves de nos mères, Les cendres sous les coquelicots, et celui-ci c'est donc le troisième. Je ne lirai pas la quatrième de couve parce que je n'ai pas encore lu le tome 2. Je dois le lire justement très prochainement, ça va être une de mes prochaines lectures. Donc je n'ai pas envie d'être spoilée. Juste ça se passe en 1919 et donc forcément on est après les événements du tome 2. Et voilà, je suis trop contente de cette réception, j'ai trop hâte de le lire, alors c'est un gros bébé là aussi. J'avais adoré Les rêves de nos mères qui à l'inverse est un tout petit roman, j'ai hâte de me plonger dans le tome 2 et je vous parlerai de celui-ci quand je le lirai. Mais je sais que voilà, j'avais adoré, c'est une sorte d'histoire de famille où en fait on suit plusieurs femmes et entre temps il y a la guerre, il y a des secrets, il y a des histoires d'amour, il se passe pas mal de choses et voilà. Donc vraiment trop contente de cette réception. Un grand merci aux éditions Charleston. Et voilà, je n'ai vraiment pas envie de lire la quatrième de couve, mais je vais lire les avis. On a donc Tom. Tom, c'est le premier lecteur Charleston de l'histoire. Et il a la chance d'avoir son avis en quatrième de couve. Ce roman n'est pas une histoire qu'on lit, c'est une histoire que l'on vit. Il nous transporte, nous émeut et nous bouleverse. Est-ce qu'on a l'avis d'autres copines ? Alors, on a les avis à la fin. On a Coralie du compte Lily's Readings qui dit « Une vraie pépite, on lit ce livre comme on dévorerait notre série préférée, c'est addictif, bouleversant, passionnant. » On a... bah non, on n'a que ça. D'accord. Bon, et bon. Je connais pas les autres, je crois. Mais non, mais j'ai trop hâte. Vraiment, j'ai trop hâte de le lire. Donc, trop heureuse. Voilà, du coup, c'était les réceptions du jour, l'update du jour. Et de mon côté, je vous reprends dès que j'ai un petit moment.
Dimanche, je vous prends donc pour clôturer cette semaine de vlog avec une lecture, puisque j'ai mis tout en pause hier pour lire un livre que j'avais envie de lire depuis un certain temps, depuis précisément le décès d'Elisabeth II, donc la reine feu, la reine d'Angleterre. Et donc j'avais dans ma palle La Reine des Lectrices de Alan Bennett, qui est donc un tout petit livre que je m'étais fixé de caler sur un week-end, de lire en une journée ou en un week-end. C'est chose faite, donc je l'ai terminé ce matin et j'ai vraiment beaucoup aimé cette histoire. En fait, on imagine, dans ce roman-là, Alan Bennett, l'auteur, imagine que la reine d'Angleterre se prendrait d'un coup d'une passion pour la lecture qu'elle découvrirait à un âge assez avancé. Et elle serait tellement finalement prise par cette nouvelle passion, cette nouvelle découverte, que elle en négligerait, elle en oublierait un peu ses devoirs de reine d'Angleterre, avec tout ce que ça implique, et qu'en fait elle serait voilà, tellement prise par ses lectures, tellement plongée dedans, que elle en arriverait finalement à devenir presque distante avec certains de ses sujets, à comment dire, à expédier certains événements pour pouvoir rentrer à sa lecture. Et voilà, et c'est très 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 drôle. J'ai trouvé que c'était un récit qui était vraiment attachant aussi, même s'il est question de beaucoup beaucoup de romans classiques, notamment que je ne connais pas ou que je connais que de nom. Mais j'ai trouvé que voilà, c'était assez drôle. On a l'humour anglais que l'on connaît bien, une sorte de flegme anglais aussi. Et voilà, j'aime vraiment beaucoup. Bien sûr, c'est une fiction, mais j'ai trouvé que c'était vraiment bien fait, bien réaliste aussi, à tel point que la reine, en l'occurrence, il y a une situation, enfin il y a plusieurs situations assez cocasses. Où notamment elle est toujours en retard à ses déplacements, et en fait quand elle monte dans la voiture, la seule chose qui l'intéresse, la voiture ou le carrosse, c'est finalement de se dire qu'elle va retrouver sa lecture en cours, et voilà. Et donc en fait quand elle salue les gens à travers la vitre, elle les salue comme ça, mais tout en lisant le livre qu'il y a sur ses genoux, et je trouve ça assez drôle. Donc voilà, si ça vous intéresse, c'est une petite lecture, ça se lit très vite, c'est très 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 accessible, et j'ai trouvé que c'était assez rafraîchissant, donc voilà, je vous le recommande. Je l'avais découvert sur le compte d'Estelle, petite lectrice, mais là aussi je ne vous la présente plus, et je ne regrette pas du tout. Voilà, donc ça c'était pour ma lecture terminée. J'ai pas avancé donc dans mes autres lectures, j'ai toujours La Dernière Tempête, donc le tome 3 de La Dame de Reykjavik en cours. Je vous en parlerai quand je le terminerai, mais je pense dans le vlog suivant. Et voilà, j'ai toujours ma lecture audio également en cours, donc On se reverra de Lisa Jewell. Et sinon, hier, je voulais vous montrer, parce que je suis allée en librairie, j'ai acheté un roman, il faut que j'aille le chercher. En fait, c'est ma lecture audio qui m'a fait penser que j'avais oublié de vous parler de ce roman. Donc, j'ai acheté hier Comme toi de Lisa Jewell. Et ça y est, je peux dire que ma collection de Lisa Jewell est enfin complète. C'était le seul qui me manquait. Et en fait, j'avais galéré à le trouver dans cette édition, c'est-à-dire avec le dos blanc, puisqu'ils ont fait une édition spéciale avec le dos noir. Et voilà, moi, tous les miens sont blancs comme ça, assez sobres dans la bibliothèque. Donc, j'avais envie que celui-ci, forcément, ne déroge pas à la règle. Donc c'est chose faite, je vous lis la quatrième de couve que je vais découvrir avec vous, parce que je ne l'ai pas du tout lue, je ne sais même pas de quoi ça parle. Ellie a disparu à l'âge de 15 ans. Sa mère n'a jamais réussi à faire son deuil, d'autant plus que la police n'a retrouvé ni le coupable ni le corps. 10 ans plus tard, cette femme brisée doit pourtant se résoudre à tourner la page. C'est alors qu'elle fait la connaissance de Floyd, un homme charmant, père célibataire, auquel elle se lie peu à peu. Mais lorsqu'elle rencontre la fille de celui-ci, Poppy, âgée de 9 ans, le passé la rattrape brutalement. Cette fillette est le portrait craché de sa fille disparue. Et voilà, clairement, ben, il me tente énormément. Il y a beaucoup de mystères aussi. On est très souvent sur des disparitions d'enfants, voilà, la vie de parents, la vie de mère notamment. Ça me rappelle un peu Rentre avant la nuit, qui a une thématique assez similaire, bien que je pense que les histoires soient très différentes. Donc voilà, il me fait trop envie. J'ai vu que de bons retours dessus. Donc pareil, je vous en parlerai quand je le lirai, mais je pense que je ne mettrai pas très longtemps à le lire, parce qu'en ce moment, ils me font très 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 envie. Et je dois dire que j'ai très souvent envie de lire des thrillers domestiques, c'est par période chez moi. Et en ce moment, on est en plein dedans, donc voilà, je vous en parlerai quand je le lirai. Et sinon, donc de mon côté, c'est terminé. J'espère que vous avez passé un agréable moment
en ma compagnie et que vous avez trouvé de nouvelles suggestions de lecture. Et de mon côté, je vous souhaite une très belle semaine, de très belles découvertes livresques et je vous dis à la prochaine.